بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Parmi les signes du cœur réceptif, c'est la soif d'apprendre. Ça, c'est un bon signe. Celui qui a un cœur assoiffé à entendre même les choses qu'il a déjà entendues, ça c'est encore mieux. Hein, parce que là, c'est vraiment la soif et l'amour et le désir ardent de trouver la lumière. Ça, c'est comme l'imam al-Bukhari, c'est lui qui a rapporté les hadiths. Mais lorsqu'il entend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met en position d'un apprenti à la garderie, comme si la première fois qu'il a entendu le hadith. Subhanallah. C'est un cœur réceptif. C'est le summum de la réceptivité. Subhanallah. Ça, c'est l'humilité aussi. Je sais rien. Je sais rien. J'ai vu ça ici en Suisse chez les gens les plus. Comment on dit, les connaisseurs sont très humbles et très attachés à la connaissance. Ils apprennent toujours, hein, même docteur ou. Hein. Donc Allah nous donnera, Inch'Allah, cette soif d'écouter et d'apprendre. C'est un art, écouter aussi. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. Écoutez, l'écoute active, on appelle ça. فاستمعوا له وأنصتوا. Le jour de Jumu'ah, par exemple, ça c'est un canal pour revivifier le cœur chaque semaine. L'écoute active. Donc pendant le Jumu'ah, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances. Il faut juste être attentif et réceptif. Écouter, exposer, s'exposer au souffle divin. At-ta'arrud faqat. Faqat. La lumière, elle est là. Tu n'as pas besoin de l'attirer. La tastajlibha. Faqat ta'arrud. Ça, c'est un grand sujet, la joie de Jumu'ah. Il y a beaucoup de secrets, Inch'Allah, un jour. Parce que j'ai entendu les frères regardent les natels, les sœurs parlent. Les gens me parlent. Pourquoi? C'est pas question. On n'est pas à l'école. Il faut regarder. C'est pas ça. Il faut connaître la lumière de Jumu'ah. Et celui qui n'est pas attentif a loupé vraiment beaucoup de bien. Hein, a raté beaucoup de bien. Et ça, c'est Inch'Allah, une autre fois, Inch'Allah. Alors, on va continuer. Comment les compagnons ou bien les prédécesseurs écoutaient le hadith? Kayfa yastami'u al-tabi'u le hadith et Rasulullah? La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Juste la parole. Wa qala Abu Mus'ab kana Malik ibn Anas. من هو مالك بن أنس؟ سيدنا مالك، الإمام مالك، الإمام de la du Coran de la jurisprudence malikite. Hein? Là, on a parlé de lui, de comment il se comportait à Médine. Hein? لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا له إجلالا له. De son côté, Abu Mus'ab rapporte que Sayyidina Malik ibn Anas
n'évoquait pas le hadith de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir fait auparavant ses ablutions mineures. Comme si c'est du Coran, mais c'est une révélation aussi. Et c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le respect du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par respect pour lui. Moi, j'ai dit, celui qui respecte son père, sa mère, ses parents, ses enseignants, Inch'Allah, il trouvera de la facilité à respecter les gens. Imaginez le contraire. J'ai dit, pourquoi ce qui se passe maintenant dans le monde musulman? Peut-être parce que nous ne nous exaltons pas assez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas assez d'amour sincère envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, la sincérité, ça aussi, c'est un sujet très, très important. La sincérité. La sincérité dans l'amour. J'aime. Mais et en même temps, je suis tiraillé par d'autres choses. Alors, ici, Sayyidina Anas ibn Malik accomplissait ses ablutions avant de rapporter, de rapporter les hadiths du prophète. Wa kana malikun wa haka dhalik, malikun dhalika an Ja'far ibn Muhammad. Donc, peut-être, il a appris ça de Ja'far ibn Muhammad. Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq. Ça, c'est parmi les ailes de Sayyidina Muhammad. C'est la famille noble de Sayyidina Muhammad. Non? Même Ja'far Sadiq, on dit qu'il avait un courant de jurisprudence, comme l'imam Malik. D'ailleurs, Malik a rapporté la même chose sur Ja'far ibn Muhammad, comme nous l'avons signalé dans la section précédente. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conclure de cette attitude, faire les ablutions mineures avant de rapporter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous voyez? Se purifier pour mieux comprendre. Barakallahu fik. Subhanallah. Respect, ouais. Le prophète est, on a dit, il est accouché pur et propre. On a vu ça ce matin. Donc, ça c'est dès la naissance. Il était recouvert par cette propreté et pureté. Donc, si tu es devant une personne pure et propre, tu vas essayer aussi d'être pur et propre. Donc il ressent la présence du prophète. C'est ça la différence. Pour l'imam Malik, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Donc je dois m'asseoir comme il faut. Je dois faire mes ablutions. Peut-être on va voir, il mettait du parfum. Hein, il se préparait à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il est arrivé à ce degré? Comment il l'a fait pour arriver à ce degré? Sayyidina Imam Malik. Tout ce que vous allez dire, c'est vrai. La sincérité, l'effort, l'imam Malik. On dit l'imam de la maison, de la demeure de l'immigration. Imam ou Dar el-Hijra. Subhanallah. Il n'a jamais quitté Médine. Il a refusé de quitter Médine. C'est pour ça qu'il est nommé l'imam de la demeure de l'immigration. L'imam de Médine. Subhanallah. Sa tombe est El-Baqiya. Juste après
les tombeaux des filles du prophète, sallam, les femmes du prophète, à quelques mètres de la porte de l'Baqia, subhanallah. Elle est connue. Et tout le monde sait presque que c'est l'imam Malik et son cheikh, Sidi Nafa, son imam. C'est l'imam. L'imam Malik, il vient d'où exactement? Médine. Lui, il est Lui, imam il est Malik. Médine. Pourquoi le Maghreb, il a pris sa jurisprudence de ça, cette Je manière sais pas, d'interpréter? parce qu'il paraît qu'il y avait une délégation qui est allée chercher le savoir auprès de lui. Ils sont arrivés vers lui, ils lui ont posé 40 questions. Il a répondu à quelques questions. Après, pour l'heure, il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. La Adri. Ils lui ont dit, on est venu du Maghreb. Les Maghrébins sont... Ça se fait pas, on est venu. Tu nous réponds, tu dis je ne sais pas. Ça se fait. Sabre, madame Mèche, la passion, c'est pas de chose. On me dit, au vis-à-vis, ils viennent vite prendre le savoir. Oh, c'est pour joyeux. Sabre, il n'y a pas de passeport. Donc, cette maladie est ancrée, je crois. Depuis longtemps. كان مصعب بن عبد الله كان مالك إذا حدث عن رسول الله voilà c'était ici توضأ وتهيأ ولبس ثيابه ثم يحدث قال مصعب فسئل عن ذلك فقال إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mus'ab ibn Abdullah rapporte également que lorsque Sayyidina Malik voulait dicter le hadith de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par accomplir ses ablutions mineures, se préparer, se mettre ses vêtements, puis il dictait. Comme on l'a interrogé sur cela, il a répondu, c'est la parole de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la moitié de l'islam, c'est l'éthique. C'est les règles de convenance. Al-adabu, les règles de bienséance, on dit aussi. Ça, c'est la moitié de la religion. Au moins, mes chers sœurs et frères, avant de faire la prière, essaye de... tout d'abord, c'est la sunna d'avoir un habit spécial pour la prière. Ça, c'est la sunna. Hein? Tu peux faire des. Mais par respect à la prière, je ne dis pas que celui qui fait en djinn ou bien qui ne respecte pas la prière. Non, mais c'est une sunna. C'est plus pour plus d'amour vers Allah. C'est question d'amour. Hein? Notre objectif, c'est l'amour d'Allah. On ne cherche rien. Hein. On cherche la sincérité de l'amour d'Allah et de son prophète. On ne cherche rien d'autre. Vous êtes d'accord, hein? Donc, ça peut nous aider, inshallah, à aimer plus Allah Azza wa Jal. Et j'ai juste une petite remarque. Parce que des fois, mes chers sœurs et frères, vous êtes touché dans l'accomplissement de l'adoration, vous êtes touché par le diable. Il te dit, ça fait longtemps, tu assistes au cours, tu pries sur le prophète, tu n'as rien reçu, il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Ça, c'est tout d'abord, ce n'est pas vrai. Le changement, il est là, mais il est graduel. Hein, il est graduel, il est progressif. La première chose. Deuxième chose, j'imagine, je fais tout, et je reçois rien. Pas de réjouissance. Est-ce que j'adore Allah pour la réjouissance, moi? Est-ce que j'attends quelque chose? J'adore Allah, comme il m'a dit un grand cheikh en Tunisie, Jamal Zetouna, j'adore Allah parce que je l'aime. Donc s'il me donne, je l'aime.
S'il ne me donne pas, je l'aime. D'accord? Ça, c'est la règle. Mais il faut tout d'abord avoir cette intention dans la tête. Avant de prier, d'adorer Allah, je t'adore parce que je t'aime. Et dans les histoires des amoureux, il y a des hauts et des bas, n'est-ce pas? Il y a des fois des rejets, il y a des fois une satisfaction, des fois des déceptions, hein? Des doutes. Marche toujours. Ton objectif, c'est d'aller vers Allah Azza. Notre objectif, c'est la rencontre de la noble face d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair ici? Donc, avant d'adorer Allah, تقول انا اعبدك لاني احبك ولا انتظر شيئا. Je n'attends rien. Même le bien-être, c'est un cadeau. C'est lui qui décide. Peut-être il peut me donner le bien-être et je peux m'égarer à cause de ce bien-être. Ah, j'adore pas Allah pour un travail ou pour un mari ou pour une femme ou pour parce qu'il peut me donner une femme qui peut être une source d'égarement. Il peut me donner un travail qui peut être la source d'un égarement. Donc on adore Allah parce que il mérite d'être adoré. Ça, c'est notre intention. Après, laisse le reste à Allah Azza wa Jalla. Il te donne, il ne te donne pas, il te prive. Ça, c'est ton destin. C'est lui le Seigneur des mondes. Rabbul Alamin. Il sait exactement qu'est-ce qu'il te faut. Est-ce que c'est clair ici? Donc l'intention. Et ce matin, Valérie, on a parlé de l'intention. Le prophète, quand il regardait le ciel, c'est très beau. L'intention. Mon intention, c'est aller vers Allah. Hein? Il est descendu, comme on a dit, les mains au sol et la tête levée, il regardait le ciel. Alors, mon intention, c'est Allah Azza wa Jal. Je ne cherche rien, j'attends rien, je ne veux rien en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la sincérité totale. Qala مطرف كان إذا أتى الناس مالكا خرجت إليهم الجارية فتقول لكم يقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل فإن قالوا المسائل خرج إليهم وإن قالوا الحديث دخل مغتسله واغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ولبس ساجه وتعمم ووضع على رأسه رداءة وتلقى له منصة فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود سبحان الله حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لو كان يعمل هذا واحد يقول له تبالغ صدقوني تقول وانت تقدس الشخص يقول له شنو tu sacralises la personne du prophète صلى الله عليه وسلم. Tu vois la dureté de notre cœur, l'endurcissement de انت يعني احنا نفهم اكثر من الامام مالك مقام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلوبنا الين واحب للنبي صلى الله عليه وسلم من الامام مالك. قال غير ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. منصة خاصة للحديث عن رسول الله. وينهم هذوم العلماء؟ عرفت إيمان عليش طاحوا الكل وباعوا؟ فهمت ولا هاو؟ ما الله يرحمنا. مش الحديث, كيف تلقي الحديث؟ بأي قلب تلقي الحديث؟ هذه المشكلة. مطرف رابورت لا ميم شوز اون ديتاي.
lorsque les gens venaient chez l'imam Malik, sa servante, c'est sa secrétaire, hein, sortait pour les recevoir et leur disait, attention, l'imam Malik, c'est pas n'importe quel alim. L'imam Shafi'i, pour être parmi les élèves, c'est comme doctorat, il y a des tests à faire. C'est quoi les tests à faire avant d'être parmi les adeptes de l'imam Malik, à votre avis? L'akhlaq, l'éthique. L'éthique, l'imam Shafi'i est venu chercher le savoir chez l'imam Malik. Il est resté 9 mois devant la porte de l'imam Malik. Attends, tu mérites le savoir ou non? Tu as la patience ou non? Maintenant, le savoir est une attestation. Jamais. Le savoir n'est pas vraiment un livre ou bien une attestation, un certificat, ou bien un degré, ou bien un grade. Lorsque les gens venaient chez Imam Malik, sa servante sortait pour les recevoir et leur disait, le maître vous demande si vous l'interrogez sur le hadith ou les questions juridiques. Le premier qui a écrit un livre où il a rapporté les hadiths du prophète, avant le Bukhari, c'est l'imam Malik. Son livre, il s'appelle Al-Muwatta. Muwatta l'imam Malik. C'est le premier livre de hadith. Moi, quand je parle comme ça, je veux imaginer la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur de l'imam Malik. Hein? Tu ne peux pas connaître cette valeur. Il faut monter, avoir un niveau de l'imam Malik pour le connaître. Malik, c'est quelle époque? Donc, la fin du premier siècle l'Hégire et deuxième siècle l'Hégire. Voilà, 105, 140. 100, voilà. Peut-être je peux te dire quelle. Je crois qu'il est décédé en 160. Il est né l'année 90, je crois. 99. 99, quelque chose comme ça. C'est pas, si tu... Voilà, 93, Hégire. Hein? Hégire, hein? Donc, il a vu des compagnons du prophète, ça va. La vie des compagnons. Alors, on a dit, lorsqu'on va finir avec cette histoire, lorsque les gens venaient chez l'imam Malik, sa servante sortait pour les recevoir et leur disait, le maître vous demande si vous l'interrogez sur le hadith ou les questions juridiques, parce que lui, il était un jurisconsulte. S'il répondait les questions juridiques, il sortait vers eux. S'il disait le hadith, il entrait dans une pièce réservée à son bain. Il se lavait, se parfumait, mettait des vêtements neufs, son manteau et son turban. Puis, on installait pour lui une chaise. Il sortait alors vers les gens, se mettait sur cette chaise avec recueillement et brûlait de l'oud, l'encens. Pas l'encens, l'oud, comme vous avez. Je sais pas qui a mis l'oud, peut-être Nidal. Brûlait l'encens de l'encens jusqu'à ce qu'il termine la dictée du hadith de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam.
D'autres ont même précisé que le même Melk ne s'installait sur cette chaise que lorsqu'il dictait le hadith de l'envoyé de Dieu. Donc, cette chaise est réservée au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est presque de la fiction aujourd'hui. C'est tellement grandiose, on ne peut pas imaginer. Tellement on est loin, subhanallah, de ce modèle, le modèle du même Melk. Alors imaginez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc Allah nous guidera, inshallah, dans le droit chemin. Voilà un peu une image qui peut vous aider, inshallah, nous aider à connaître la grandeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les cœurs des prédécesseurs. C'est ça le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'imam Melk, oui. Donc, il faut respecter aussi nos imams, hein, parce que c'est des modèles aussi pour nous. Non, mais là, je vois le comportement de l'imam Melk. Qu'est-ce qu'il fait dans la religion? Oui. Ah, c'est... Non, je dis, qui est-ce qui fait ce qu'on a lu? Ah, oui, oui. Qui est-ce qui l'a fait? Oui. On sort les hadiths comme ça. Si tu as remarqué, Fatima, lorsque... Je ne parle pas des imams, hein, je parle de... Oui. Même les imams. Si tu as remarqué, quand tu es très proche du prophète, ou bien tu as l'amour du prophète, tu prends ton temps, tu mets des jolis habits, tout ça, tu te prépares. Si tu aimes une personne, tu te prépares aussi pour lui. Si la personne va t'emboucher au taxi, ah, là, c'est encore plus. Là, c'est, hein? Donc, c'est l'habit ou bien la présentation liée à la considération. Hein? Ça, c'est... Donc, c'est comme un mariage, là. Dit le mec, c'est comme il va assister à un mariage. Alors, tout est... Subhanallah. Il a compris, c'est question de... Il a compris la valeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce qu'on cherche. Hein? La réalité de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, avec la méditation, malheureusement, on ne va pas parler après beaucoup. Hein? On ne va pas parler beaucoup du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on a fait cette semaine, pour essayer de déclencher l'amour dans notre cœur, ou bien le déclic, l'étincelle de l'amour, hein? En attendant la flamme. Hein, comme c'est chez Saïdna Moussa dans son histoire. Mais voilà, vous avez peut-être au moins pensé beaucoup au prophète Sassan pendant cette semaine. Ça, c'est l'objectif, Inch'Allah. Inch'Allah. La fin, la fête, Inch'Allah, le 25. Et comme vous avez compris, on n'est pas là des fêtards. On n'est pas des fêtards du prophète Sassan. On ne cherche pas à faire la fête pour la fête ou... On cherche à faire la fête pour augmenter notre attachement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ça, c'est vous voyez, le travail avant la fête, déjà. Hein? La fête, c'est juste quelques heures. C'est pour augmenter, pour manifester notre joie, pour dire au prophète, je t'aime. Il a dit, inni uhibbuk, comme le compagnon. On essaye, hein, de dire ça sincèrement. Mais vous avez l'amour du prophète. Quand je dis comme ça, il ne faut pas penser que vous n'avez pas l'amour du prophète. Vous avez l'amour du prophète. Vous voulez la preuve? Alors, est-ce que vous, qui ne désire pas voir le prophète cette nuit? Personne. Qui souhaite le voir depuis le début de la nuit jusqu'à la fin? Qui désire le voir toute la journée? Alors vous aimez le prophète, parce que ça, c'est parmi les signes de l'amour, c'est le désir ardent de le rencontrer. Ash-shawqu ila liqa'ihi. Ça, c'est parmi les signes de l'amour. Donc vous avez l'amour,
mais on cherche à la véracité et la sincérité de l'amour. Ça, c'est, on essaie de, et ça, c'est Allah Azza wa Jal. On fait l'effort. Nous avons un projet, nous avons la tête levée vers le ciel. Nous avons une intention, comme on a dit.